Et nos vies qui s'emballent dans une époque folle où rien nous détourne du simple instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Quelle soirée, hein? On s'en souvient, en juillet au Festival d'été de Québec. Les Cowboys fringants ont tout fait pour être là alors que le chanteur Carl Tremblay poursuivait ses traitements contre le cancer. Mais pour l'automne, c'est décidé, Kevin, le groupe va faire une pause. Oui, le chanteur Carl Tremblay a décidé de ralentir la cadence. Donc, tous les concerts cet automne sont annulés. Même la tournée qu'il devait avoir en Europe a été aussi annulée. Il en a fait l'annonce aujourd'hui sur Internet. Vous le savez, il a le cancer de la prostate. Donc, il veut mettre toutes ses énergies sur son traitement de chimiothérapie, sa remise en forme et, comme il l'a dit aujourd'hui, sa recherche physique et mentale. Parce qu'il veut revenir plus en forme, le voici. J'ai décidé de vous écouter, de m'écouter aussi, de prendre un break. Donc, on va annuler l'automne, nos spectacles de l'automne, pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale et tout. Donc, pour essayer de vous revenir encore en plus grande forme, plus d'énergie. Et j'ai rencontré des admirateurs du groupe et du chanteur cet après-midi. Et on lui envoie des ondes positives. Ils comprennent la situation. Donc, ils souhaitent qu'il puisse réussir son combat contre le cancer et revenir, oui, en grande forme. Parce qu'il se rappelle aussi de ce moment émotif, magique, l'été dernier à Québec. Les derniers mois ont été aussi mouvementés et émotifs pour le groupe parce que des concerts ont aussi été annulé et reporté pour ses traitements de chimiothérapie. Merci beaucoup. On lui souhaite bonne chance.